Ville et nous, c'est un jeu asymétrique dans lequel on incarne des méchants de Disney. Ville et nous, cruellement affect en est la troisième extension. Elle ajoute trois nouveaux méchants, avec chacun une mécanique particulière. Cruellement Affect est un stand-alone, qui peut se combiner à Villainous ou se jouer seul à deux ou trois joueurs. Les règles du jeu de base s'appliquent, et les seuls changements viennent des méchants eux-mêmes. L'extension ajoute trois nouveaux méchants, Cruella d'Enfer, le Capitaine Pitt et la Mère Gothel. Cruella d'Enfer veut créer l'œuvre de sa vie, le manteau de fourrure ultime. Mais pour y arriver, il lui faut de la matière première, soit 99 dalmatiens. Contrairement aux autres méchants, elle n'a que très peu d'alliés sur lesquels s'appuyer. Capitaine Pitt, que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de Patibulaire, est l'antagoniste historique de Mickey. Comme sa première apparition date de la fin des années 20, son deck est uniquement en noir et blanc. Son objectif change suivant l'endroit du plateau où il se trouve, et il doit tous les accomplir pour gagner. Mère Gothel n'est pas une méchante. Non, c'est même la mère adoptive de Réponse. Bon, d'accord, elle l'a peut-être kidnappée et se sert d'elle pour rester jeune. Mais c'est aussi ça être parent, non? Son but est de gagner la confiance de sa protégée, qui ne cherche qu'à s'enfuir en s'éloignant d'une case à chaque tour. Pour conclure, comme les deux autres extensions avant lui, Villainous Cruellement Affect est vraiment sympa. Le jeu est toujours aussi immersif, et on prend toujours autant de plaisir à découvrir les nouveaux decks.